Je n'ai pas appris grand-chose de plus sur toi, mais c'était très sympa. Merci. Pour moi aussi, c'était cool. Bon, ben, bonne nuit. Tu ne montes pas boire un verre? Merci, mais je me lève tôt demain, tu sais. Ouais, je sais, les photos. Bon, bah, à demain. À demain. Excuse-moi, je suis désolé, mais je peux pas. Ouais, je vois ça. Je ne sais pas de qui tu es amoureux, mais... Si tu es venu ici pour l'oublier, je crois que c'est pas gagné. Tu as raison, c'est pas gagné. Non, mais c'est pas grave. Tu sais, je sais être patiente quand ça vaut le coup. Bon, allez, bye. Merci. J'ai honte de me faire dorloter comme ça après tout ce que je t'ai fait. Pourquoi tu parles? Bah, tu sais bien. Bon, et si on oubliait tout ça, hein? Mais il y a quelque chose que je t'ai pas dit. Je croyais qu'on devait tout se dire. Je sais, mais... Le baiser avec Christian, c'était ma faute. Qu'est-ce que tu veux dire? Je lui ai menti, je lui ai dit que pendant notre voyage, toi et moi, on avait fait l'amour. Voilà, je suis désolée. Ça, c'est un demi-mensonge. Si l'occasion s'était présentée, j'aurais adoré. Mais pourquoi t'as fait ça? Pour m'en débarrasser. Apparemment, ça fait l'effet inverse. Ouais. Il m'a dit qu'il me croyait pas et que... Il savait que c'était lui que j'aimais. Puis c'est à ce moment-là qu'il m'embrassait. Bon, mais ça y est, c'est fait maintenant. On sait tout dire. Et si au lieu de ressasser ces vieilles histoires, on allait de l'avant? C'est vrai, tu m'en veux pas. C'est déjà oublié. Merci. Par contre, il nous reste un problème à résoudre. On doit trouver du boulot tous les deux. Ah, ça oui. On n'a plus le choix. Mais tu te rends compte? Voilà que je rêve de bosser maintenant. Si je m'entendais pas le dire, j'y croirais pas. Merci pour cette belle soirée. Ah, c'était trop court, comme chaque fois. Et comme chaque fois, je me sens comme une ado en train de faire une bêtise. Qui sait, il y a peut-être un peu de ça. Franchement, j'adore le centaurire. Bon. Au revoir, ma jolie complice. Tu as les clés? Ouais, attends. Hop. Au moins, on partage une chose. Tes visites secrètes, c'est toujours ça. Voilà. Attends, mais là. Hein? On est coincé. Attends, j'ai une idée. Ah, salut Mélanie, c'est toi, ça va? Oui, ça va. Dis, je ne te dérange pas? Non, j'ai révisé un peu, ça va. Écoute, je t'appelle parce que j'ai un grand service à te demander. Je devais aller chercher Émilie chez les Colonna, mais je ne vais pas pouvoir y aller, je suis coincée à l'usine. Et j'arrive pas à joindre Isa, Ludo, enfin personne. Est-ce que tu pourrais aller la chercher et la ramener chez moi? Oui, bien sûr, pas de problème. Ah, super, merci.
merci. Tu me sauves la vie. Stéphane, tu peux m'enseigner ça? Merci de m'aider avec Mélanie. Tu n'as pas idée de tout ce que j'ai pu faire pour redresser cette entreprise. Ça fait des années que je me bats. Des années? Adrien et moi avions une vision très différente de sa gestion. Si je t'ai soutenu toi, Mélanie, c'est pour empêcher que ses frères et sœurs ne flambent l'argent de l'entreprise. Mais de là à lui annoncer une éventuelle faillite, je ne suis pas d'accord. Tu as exagéré, Stéphane. Je ne sais pas pourquoi je t'ai laissé faire, mais... J'aime ton optimisme, mais tu n'as encore qu'une vision superficielle des choses. Finis de faire le tour de la comptabilité avant de conclure. Ah, oh, super, il n'y a personne à la maison. Je n'aurais pas supporté cette gourde de sœur et cet idiot de Marc. On va enfin pouvoir profiter l'un de l'autre. Comme des adultes. Vrai? Ils sont partis. Ça m'a fait plaisir que Germain vienne. Mais décidément, avec Française, j'ai un mal fou à donner le change. Ça se voit. Faudrait que tu fasses un effort pour dissimuler tes sentiments. C'est important. Je ferai ce que je peux. Il faut qu'elle soit bien rassurée. D'ailleurs, je compte sur toi lors du prochain déjeuner. Quel déjeuner? Le déjeuner de la réconciliation de la famille, évidemment. Germain et moi y tenons beaucoup. Justin sera là. Et c'est pour quand? Demain. Comment? Si vite? Mais j'ai à peine le temps de me retourner. Tu feras des merveilles comme d'habitude. Je n'ai aucune inquiétude. Et n'oublie pas de réclamer à Rémi la cassette. J'en aurai besoin. Salut Thomas. Quel bon vent t'amène. Je viens chercher Émilie. Mélanie m'a appelé, elle est coincée. Mais mon oncle l'a déjà ramenée, elle était crevée. Bon, ben, je suis venu pour rien, c'est pas grave. Mais tu bois un verre? Non, je vais pas te déranger. Mais non, tu me déranges pas, au contraire. Allez, viens. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas papoté. Ça va nous faire du bien. Isabelle, mais tu es complètement folle! Je déprimais, alors Arthur était là pour me consoler. Te consoler, hein? Drôle de façon de s'y prendre. J'exige que tu respectes ma maison et ma sœur. Maintenant, tu te dégages. Je t'appelle. Bonne chance. Mais c'est pas possible, Isa! Ce qui s'est passé avec Rémi ne t'a pas servi de leçon? Ça va, calme-toi, il s'est rien passé de grave. Parce que je suis arrivée à temps. Mais à quoi tu penses? Jusqu'où tu comptais aller? Et Arthur, il fait n'importe quoi. C'est vraiment un... Tu peux parler? Marc est pire. Arthur, il m'aime lui au moins. Il est riche et il n'est pas avec moi par intérêt. C'est la deuxième fois que tu me balances ça à la figure. Alors maintenant, tu vas t'expliquer. Tu ne peux pas porter d'accusation comme ça sans preuve. Si tu es au courant de quelque chose à propos de Marc, dis-le-moi. Laisse-moi, je veux me changer. Aurélie m'a demandé de l'oublier, mais c'est impossible. Elle traverse une mauvaise passe, avec cette épée de Damoclès qui lui pend au-dessus de la tête. On a des nouvelles de Julien. Il est toujours dans le même état. Ça doit être dur pour elle. Pour toute la famille. J'ai vu Héloïse tout à l'heure, elle devient hystérique dès qu'un homme s'approche.
Je sais pas ce qu'il lui a fait, salaud Julien, mais... Enfin... T'as des nouvelles de Justin? Non, et c'est mieux comme ça. Quand je pense que cet imbécile va se marier avec une autre, ça me merde de moi, quel gâchis! Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a commis une grave erreur. Tu aurais été la meilleure chose qui puisse lui arriver. Il a ses raisons pour épouser Alexia. Je crois les connaître. Mais c'est fini tout ça, je veux plus en parler. J'en ai assez de me torturer. Un jour, peut-être qu'on rira de tout ça. Toi, tu seras peut-être avec Aurélie et moi, avec un homme qui m'aime vraiment. Ce serait le rêve. C'est pas gagné. En tout cas, Aurélie et toi, au moins, vous vous aimez vraiment. Tout est clair entre vous. Votre histoire n'est pas bâtie sur un mensonge. Alors, tranquille? Salut Rémi. Alors, quelle news du côté du club? Oh, bah, rien de spécial. Ouais, à part pour Isa. Isa? Arthur la trompe, c'est son pif. Elle lui voit que du feu. Mais bon, hein, c'est son problème. Oui, laisse-la ouvrir les yeux toute seule. Mais c'est bien mon intention, t'inquiète pas. Mais je vous jure que les points me démangent quand je suis face à ce salaud. Je veux que tu me dises ce que tu sais, Isa. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu es aveugle, ma pauvre, c'est tout. Tu affirmes que Marc ne s'intéresse qu'à l'argent de papa. Et je veux que tu m'expliques pourquoi tu dis ça. Je n'ai rien à dire. Découvre-le par toi-même. Ah non, c'est trop facile, Isa. Tu vas parler. Je vais me marier avec lui. Dis-moi la vérité. D'accord. Je sais que la seule chose que Marc ait toujours aimé chez toi, c'est l'argent de papa. C'est pour ça qu'il t'a draguée et séduite. Arthur l'a toujours su et me l'a raconté. Mais comment tu peux faire ça? Papa, arrête, c'est pas de sa faute, c'est moi qui l'ai embrassé. Mais cette petite garce est entrée chez nous pour nous détruire tous. Ne lève plus la main sur elle ou je ne réponds plus de rien. Mais tu te rends pas compte de ce qu'elle te fait faire? Je l'aime, papa, je l'aime. Ça t'a pas suffi de détruire mon couple? Faut que tu t'en prennes à mon fils maintenant? Petite garce, pour moi tu n'existes plus. Très belle, ma chérie, ce matin. Comme tous les matins. Arrête, Bruno. C'est pas tes compliments qui vont me faire oublier mon chagrin. Ma chérie, tu es la femme que j'aime et je n'ai aucune envie que tu vives dans le chagrin. Alors rends-moi mon fils. Je fais tout ce que je peux pour le retrouver. Écoute, il a dû forcément lui arriver quelque chose. Est-ce que tu te rends compte qu'il m'appelle même pas? Il ne s'inquiète même pas de la disparition de son père, enfin de Michel. Tu es sûre qu'il n'est pas resté en contact avec un de ses amis à qui il donnerait des nouvelles? Non, certaine. J'ai encore vu Johanna hier. Elle en sait pas plus que nous sur Christian. Elle était dans un état, elle a tellement abusé d'antidépresseurs, j'ai dû appeler le médecin. Tentative de suicide? Non, je crois pas. En tout cas, une grosse déprime, ça c'est sûr.
D'ailleurs, je vais aller la chercher. J'ai envie qu'elle s'installe ici. Comme ça, j'aurai l'impression d'avoir un peu de Christian ici. Tu as raison, ma chérie. Et si ça te fait du bien, c'est l'essentiel. Salut, ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Bah écoute, je ne pouvais pas rater les premiers pas d'une future star. Et n'oublie pas que je suis ton agent. C'est vrai, t'as raison. Et sinon, t'as bien dormi? Bah écoute, j'ai beaucoup rêvé de toi. Et toi? T'as un peu rêvé de moi? Oh, tu sais, moi, je rêve pas. Bon, bah, je crois qu'on m'appelle. Ok, pas de problème. Ça ne te dérange pas si je reste un peu? Non, pas du tout. À tout de suite. Ok, bye. Mais tu es fou? Où est-ce que tu m'emmènes? On est encore loin? Non. On vient d'arriver. Mais c'est magnifique! Où sommes-nous? Royaume de l'amour. Camille, c'était pour toi tout ça. T'es si romantique. C'est fabuleusement romantique. Merci mon chéri. C'est à cette heure-là que tu rentres? Tu pouvais aussi bien rester là où tu étais. Qu'est-ce qui se passe? T'as des problèmes avec ta meuf pour être de si mauvais poils? Fais très attention à la manière dont tu parles de Jessica. Madame mériterait mon respect? Et à quel titre? Au titre qu'elle va devenir ta belle-mère. Notre relation est en passe d'être officialisée. Et tu fais quoi de son mari? Il a débarrassé le plancher et s'il a la mauvaise idée de revenir, ça ne changera rien. Jessica divorcera. Non mais me dis pas que tu es sérieux là. Je te rappelle que tu t'es débarrassé de ma mère sous prétexte d'être allergique aux engagements. Alors si tu crois que je vais accepter ça? Ce n'est certainement pas toi qui vas me dire avec qui je dois refaire ma vie et comment. Si tu veux m'imposer la belle-mère, tu m'imposeras aussi le rejeton quand il daignera foutre l'honneur dans son trou. Alors là tu rêves. Ce mec a une vraie tare. Si j'étais toi, je ferais très attention à ce que je dis. Parce que si tu continues, Christian pourrait bien un jour être à la tête du restaurant et de toutes mes affaires. Ah, je préfère t'avoir ici chez moi, je me sens plus tranquille. Merci beaucoup, Jessica. Vous êtes une vraie mère pour moi. C'est normal. J'ai promis à tes parents que je m'occuperai de toi. Ne leur dites rien si vous les avez au bout du fil. Non, t'inquiète pas. Mais plus de bêtises, promis. Prendre ses cachets n'était pas la meilleure solution pour attirer l'attention de mon fils. C'est déjà tellement humiliant qu'il me laisse pour quelqu'un d'autre. Mais pour sa sœur. Et en plus, il était jusqu'à se servir de moi pour oublier Cynthia. Il m'a utilisée comme une marionnette. Comment ça? Il m'a raconté que s'il s'éloignait de moi, c'est parce que sexuellement, il ne se passait rien entre nous. Il m'a mis la pression et j'ai fini par céder. Je sais maintenant que quand on a fait l'amour, c'est à Cynthia qu'il pensait.
C'est pour ça qu'au petit matin, il s'est enfui. Il avait l'impression de la tromper. Et moi, je le dégoûtais. Non, mais c'est pas possible. Si Christian a fait ça, c'est affreusement pervers. Je voulais être vierge jusqu'au mariage, Jessica. Et Christian a tellement insisté. Il m'a dit qu'il ne tenait plus et j'ai cédé. Ce qu'il a fait est honteux. Je suis vraiment désolée, ma pauvre chérie. Je suis ton seul fils et tu ne peux pas me déshériter. Comment tu laisseras à Christian ce qui m'appartient? Et pourquoi tu ferais ça? Parce que je suis convaincu qu'il a plus de capacité que toi pour gérer mes affaires. Laisse-moi rien. D'abord, Christian n'y connaît rien à la restauration. Et secondo, c'est un abruti qui se laisse rouler dans la farine par le premier rigolo venu. Je le sais. C'est ce que je fais depuis des mois. En fricotant avec sa fiancée. Mais en attendant, c'est Christian qu'elle va épouser, pas toi. Ouais. Ça, c'est s'il revient un jour. Et surtout, si je veux bien. Arthur. Johanna est une cause perdue pour toi. Rêve selon tes moyens. J'en ai autant que ce premier de la classe. Alors prouve-le. Et commence par gérer mes affaires correctement. Si votre Christian ne fait pas le point, je vais te le prouver. Que ce soit pour ce restaurant qui m'appartient ou pour Johanna. Avec ce pantin question déception, tu risques d'être gâté. Et n'espère pas me récupérer une fois que la preuve sera faite. Parce qu'en ce qui me concerne, être ton fils me donne juste envie de gerber. Imbécile. Tu ne sais pas ce que tu dis. Et à jouer ce petit jeu, tu vas te brûler les ailes. Oh, ma chérie. J'ai trouvé la journée longue sans toi. Qu'est-ce qui se passe? Encore un problème avec tes sœurs? Avec Ludo? Non, ça n'a rien à voir avec eux. Elle le croit? Marc, est-ce que tu es avec moi pour mon argent? À la baie des flamboyants.